Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un nouveau jeu, le jeu d'un studio indépendant, le studio Ten Towns, qui a acquis quand même une certaine réputation avec le jeu Crimson Land, puisque c'est un shoot 'em up. Et on se retrouve aujourd'hui dans un jeu avec une bande son qui pète de ouf. C'est Tesla versus Lovecraft que vous voyez juste ici, et on va pouvoir se le tester. J'ai pas encore commencé, j'ai juste passé la séquence d'introduction, parce que ce dont on se fout totalement là, c'est la séquence d'introduction qui nous présente juste une espèce de grande petite bande dessinée qui est là. Bah du coup je l'avais déjà passé, et bah on se la retape quand même, c'est pas grave, peu importe. Vous jouez Nikola Tesla qui va devoir affronter les armées de l'auteur H.P. Lovecraft, qui envoie des espèces de poissons chelous chercher des morceaux de ses inventions. Et nous il faut qu'on retrouve les morceaux de ses inventions pour sauver entre guillemets le monde, hein, on va pas se le cacher. Et j'ai pas encore commencé, on va pouvoir commencer à jouer. Donc L pour bouger, très bien. Alors on a un petit pistolet en bas à gauche. Alors R pour viser et le bouton ZR pour tirer. Très bien, ça c'est noté. Oh punaise, ok très bien, ça c'est fait, shotgun, ok nickel. B-Locks Weapon Selection. Ah d'accord, on peut bloquer sa sélection d'armes en appuyant sur B. Ok, c'est quoi ces espèces de petits trucs là? Tesla Backpack. Ok, on a chopé une nouvelle invention. 16 sur 500. D'accord. Allô, Tesla. Oh, on peut se téléporter. Fort. Bah, montre-nous ça. Je veux voir comment on se téléporte. L pour téléporter. Oh, cool. Attends, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va choper une nouvelle invention, on va pouvoir refaire de nouveaux mouvements. Ça serait énorme. Bon, là, ils sont bloqués derrière les grillages. En fait, c'est bien pour nous. Allez, vas-y, défonce-le avec ton petit pistolet. Oula, ils peuvent péter les grillages. Ok, très bien. Ok, bah, ok, c'est noté. J'aime beaucoup ces trucs-là. Shotgun. Power up collected. Ok, donc on a un peu un petit power up. Oh punaise. Waouh. Alors, combien il coûte ce jeu d'ailleurs? Puisqu'on se pose la question, puisqu'il m'a été offert par les studios Ten Towns pour que je vous le teste, que je vous donne mes impressions. Tesla versus Lovecraft. Nintendo Switch, je crois qu'il était à 14,99€, quelque chose comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Continuez, très bien, et il est exactement, je vais vous dire ça pendant que c'est en train de charger, attendez. Oh là là là, oh. Allez vas-y, Tommy's Gun, ok. Activate your special ability, ok très bien. On a des habilités spéciales, c'est noté. Ah punaise. Et regarde l'écran Edouard, regarde l'écran, fais pas n'importe quoi. Ah punaise. Oh vas-y, mais il casse les murs en plus, mais ça se fait pas trop, ça se fait pas. Ça se fait pas les gars. Ok vas-y vas-y, on va le détruire, on va le détruire, on va le détruire. Tiens mais mange toi ça, mais mange toi ça toi. Tiens. Alors, on fait moins la maline hein. Allez tiens, mais il faut absolument détruire cette espèce d'hôtel. Ah oui attends, on a une habilité spéciale, c'est quoi ça? Oh cool. On peut l'utiliser sur les sur ce truc là. Je sais pas, alors attendez, il y a des boulettes. Des boulettes, oui absolument des boulettes. Des armes spéciales, des munitions spéciales. Ah c'est fait, très bien, niveau complété. Ça c'est fait, très bien. Donc, ensuite, on a fait 80 sur 100. Est-ce que ça nous donne quelque chose de spécial à la fin? Et le jeu coûte 14,99€, enfin, c'est bien ce qui me semblait hein. On arrive sur une mini-map. Ok. Attendez. Alors on a fait les 3 qui sont là je crois, c'est ça. On a fait les 3 là, donc du coup on va aller à celui-là. Ouais ok très bien, bah, le niveau suivant. Est-ce qu'on va avoir des petites subtilités de gameplay au fur et à mesure? Parce que là déjà on a l'espèce de petit backpack dans le dos qui est super sympa. Je pense qu'on va avoir d'autres choses hein. Alors déjà on va prendre ça parce que ça va beaucoup plus vite pour leur laminer leur crochet. D'accord, ça c'est la progression du niveau en haut à gauche. Alors vous voyez que c'est un anglais extrêmement simple à comprendre et que ça m'a l'air d'être un jeu très casual. Alors est-ce que ça vaut les 14,99€ pour ce que ça propose? Pour l'instant je dirais que on ne sait pas, parce que bah, on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Oh, ah cool, on a des niveaux, cool. Attends, on peut améliorer son personnage. Santé ou vitesse? Vitesse. Pour l'instant je sais pas trop combien il y a de niveaux, ça va vraiment dépendre. Ah alors double XP, ça va vraiment dépendre du nombre. Oh les effets visuels. Oh j'aime beaucoup. Bon pour l'instant je suis en train de me hyper de plus en plus sur ce petit jeu, je le reconnais. Et j'avoue que les graphismes sont plutôt sympas. Alors c'est vrai que les éditeurs indépendants font quand même des trucs quand même vachement bons. Je suis plutôt satisfait de cette console Nintendo Switch qui fait autant de bons jeux indépendants. Alors soit dit en passant, puisqu'on parle de jeux indépendants, les gars, voilà, on est lundi, il est quoi? Il est 16h quand je poste cette vidéo, quelque chose comme ça. Demain soir à 17h, il y a un Nintendo Direct, les gars.
Il y a Nintendo Direct sur les jeux indépendants. Et ça, c'est trop cool. Et bah, bien évidemment, on sera en direct sur la chaîne pour le suivre ensemble. Donc, c'est à 17h si vous êtes présent. Ça dure en général, ça dure 23 minutes. Je vous en ferai une petite vidéo demain matin pour vous en parler, pour vous dire, voilà, n'oubliez pas qu'il y aura tel truc demain soir. Mais voilà, puis si vous regardez cette vidéo d'un jeu indépendant, bah, du coup, demain soir, on aura ça ensemble et ça va être trop bien. Ah, d'accord, là, ah, il y a une pièce de méca. Ok, on a chopé une pièce de méca. Et Tesla mec, part 1 sur 3, très bien. On a débloqué une nouvelle compétence, on a utilisé un petit truc, ok. Donc bah, demain soir, n'hésitez pas, à 17h, si vous êtes dispo, vous passez sur la chaîne en direct, le Nintendo Direct des jeux indépendants, et ça va être trop bien. Qu'est-ce qu'on a en bas de l'écran? On a un petit truc en bas de l'écran, regarde. Attends. Ah, attendez, regardez, on a différentes maps, avec plein de missions. Ah, alors là, j'avoue qu'au niveau du contenu, ok. Alors là, par exemple, on en a 4, on en a beaucoup. Et du coup, regardez, on a Arcane, donc Normal Plane, Aether Plane et Eldritch Plane. Donc ça veut dire qu'on a plein de niveaux. Je suppose qu'il y aura peut-être un niveau en mode infini, parce que ça serait totalement le genre de jeu qui s'y prête. Alors en bas, on a des espèces de petits cristaux qui permettent d'avoir des inventions supplémentaires. C'est cool ça. Du coup, on va avoir des capacités passives de ouf hein, quand on va avoir tout débloqué. Très bien. On a également, ça ce sont les ennemis qu'on aura rencontrés. Et on a un 0% de dommages supplémentaires, c'est-à-dire que plus on en tue, plus on pourra leur faire de dégâts. Là-dedans, ce sont les différentes armes et les différentes compétences qu'on a découvertes. Très bien. Et ça, ce sont les différentes choses. Bon, écoutez, nous, on va se lancer dans ce nouveau niveau ensemble, en espérant que le jeu soit de mieux en mieux avec ça, parce que là, c'est vraiment le début. Alors, attends, oh, ça va arriver par là, je le sens. Attends, c'est où? Attendez, il y a un truc là. C'est quoi ça? X-Ray Blade, ok, très bien, regardez. Oh là là, la classe. Ah moi je me hype de fou sur des petits jeux indépendants comme ça qui mériteraient. Franchement, ça mériterait des petits formats boîte. Après je comprends que pour des jeux qui coûtent 15€, ça soit difficile pour des développeurs indépendants de faire une boîte, de pas savoir si ça fonctionne ou pas. Mais j'avoue que le studio Tentance, je vous ai déjà présenté pas mal de jeux à eux sur la chaîne au niveau des jeux indépendants. Bah ils font du bon taf. Il y avait notamment Crimson Land quand je vous avais parlé, c'est un petit jeu indépendant pareil, du même studio donc forcément. Qui était pareil, un twin stick shooter où on avait un très très bon gameplay, on était sur des modes infinis. Et moi j'adore ce genre de jeu. Ils sont très très forts dans les shoot'em up comme ça. J'avoue qu'ils sont très très forts. Et moi je prends mon pied, par contre on est en train de perdre de la vie. Et je préférerais peut-être même celui-ci à Crimson Land si jamais ils nous font un mode infini. Si jamais il y en a un, moi j'adhère. Attendez, il y a le. Oh punaise. Oh regardez, on va. Oh regardez. Attends, 1, 2, 3. BAM. Ouais, j'ai désolé. Oh là là, mais multi-kill, mais franchement les effets visuels ils sont à tomber quoi. Honnêtement, les couleurs, tout est vachement bien quoi. Ouais, je sais, je me hype vachement sur des jeux indépendants, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que ce que j'adore sur cette chaîne, c'est que du coup, je peux vous présenter des gros jeux à gros budget qui sont les AAA, des petits jeux à petit budget que sont les jeux indépendants, et je prends mon pied à chaque fois. Alors, bien évidemment, il y a des petites exceptions, hein, je pense à Troll and Eye, qui était sorti notamment en version boîte. J'ai jamais réussi à vous terminer la vidéo tellement je me suis fait chier, désolé. Mais bon, mais ouais, il y a des fois. Mais je vous avais dit de vous en faire une vidéo, donc j'essaierai de vous en faire une. C'est un cas, mais il y a des jeux indépendants, mais je peux pas terminer les vidéos parce que c'est pas possible. Ils sont tellement pourris que je peux pas. Et donc du coup quand il y a un jeu que j'ai pas fait sur la chaîne, soit il est complètement nul, soit j'ai pas pu le tester. Mais moi je vous en ferai des retours parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible des fois. Attends, double XP, ça m'intéresse. Attends, on a des compétences supplémentaires. 30% de plus de power-up. Oui, absolument, mais laissez-moi tranquille, messieurs. Attends. Ah, attendez, on a récupéré un nouveau power-up. Tiens. Attendez, mec pièce. Mec pisse. Voilà, niveau complété. Ok, très bien. Donc, on récupère les pièces d'un mecha. Peut-être qu'on va pouvoir. Ah, super. 10% de dommages de plus sur les espèces de petites grenouilles cheloues. Et on a chopé un cristal d'aether. Et on a chopé également une pièce de plus pour le mecha. Qu'est-ce que c'est le mecha? Qu'est-ce que le mecha? Je vous pose la question, mes chers amis. Qu'est-ce que le mecha? Attends. Ah, ça va apparaître par ici, là. Je vois le petit truc vert. Je te vois. Attends, par contre, j'aimerais récupérer le shotgun. Merci. Vas-y, mais j'espère qu'il y a un mode infini. Ce serait trop bien. Ah, vas-y, mais... Ah, c'est quoi cette espèce de grosse bestiole, là? On se calme, les gars. Alors, si jamais dans cette vidéo qui va durer, je sais pas, par exemple 20 minutes, un truc comme ça, parce que j'aime bien faire durer les gameplays en général, pour que vous puissiez voir le maximum de choses, nous n'avons pas vu de mode infini, j'y jouerai dans mon coin de panier, puisque j'adore le jeu déjà là, et je vous ferai un retour, je vous ferai une autre vidéo, je vous ferai autre chose, par exemple un midi,
puisqu'on a pris le pas ce midi de faire un vidéo, on continue le let's play de Kirby sur Nintendo Switch, vous l'avez très certainement vu. Donc voilà, si un midi, si j'ai vu un mode infini ou différentes choses de plus dans le jeu, je vous en ferai une vidéo un midi comme ça, histoire d'avoir un suivi. On va faire ça, les vidéos du midi, ça servira vraiment pour les gens qui le souhaitent, parce que sinon ça fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Entre 2 et 3 par jour, ça fait beaucoup. Mais honnêtement, je pense que les jeux le méritent et je prends mon pied à faire mes vidéos. Donc si vous les regardez, tant mieux. Si vous les regardez pas, bah tant pis. Mais moi, je prends toujours autant de kiff. Je pense que ça se ressent sur la scène, hein, ce partage de passion. Et je sais que vous appréciez aussi que ce soit la passion qui nous anime. Et c'est un véritable kiff. Attends, il y a un truc à récupérer là-haut. C'est quoi? X-Ray Blade, ça va nous servir. Vas-y, viens là. Allez, tiens, mange-toi ça. Mais mange-toi ça, tiens. Oh là, du monde, il y a du monde. On n'aurait pas un. C'est quoi ça? Double XP. Il nous faudrait le mini new là, tout à l'heure. Il y en a pas un quelque part. Attends, double XP, ça va nous servir. Est-ce qu'on a une jauge pour les pour ça? Non. Ah, on peut pas l'utiliser trop de fois la téléportation. Par contre, je suppose qu'ils ont défoncé la barrière méga vite. Allez, voilà, ils ont bien défoncé ça, quoi. Par contre, on a chopé un niveau dessus le plus supplémentaire. On va le faire 25% de vitesse en plus et 30% de power à quoi carrément. Vas-y, on va ça, on l'a déjà. Ça c'est un revolver, on s'en fout littéralement. Ah Nova, attends c'est quoi ça? Ah c'est... Ah tiens, attends. Boum. Si mais ça leur fait quasiment aucun dégât à eux, c'est quoi ce délire? Attendez, il y a un truc là-bas. C'est quoi ça? Ah Time Warp Cook, un truc de temps. Un truc temporel, genre un mode bullet time. Moi dès qu'il y a un bullet time dans un jeu les gars, je suis ok. Je suis grave ok. Bon ça aussi c'est mal fait. Oh le mini nuke. Boum. Vas-y, je suis le plus tard, j'adore. C'est pas idiot, mais moi j'aime. Ah, c'est cool, la dernière pièce de mecha. Alors, du coup, on a rien débloqué. On a eu la dernière place de mecha là. Ok. Alors, pigeon de guerre. Une machine, machine super, super puissante. Ok. Ben, on va enchaîner, on va voir. Oh, oh. Oh le kiff. Vas-y. Oh attendez, c'est voyez, il y a une jauge. Le plaisir était de courte durée. C'était vraiment de courte durée. Hein. C'est quoi ça? Pièce de mecha. Dans chaque niveau, on peut choper le mecha plusieurs fois. Alors attends, on va aller voir ça les gens, attendez. On va récupérer la pièce, on en a deux. J'ai l'impression qu'on peut réactiver le mecha si on récupère toutes les pièces. Attendez. Ah! Et laissez-moi tranquille! Attends, vas-y, mais grave, mais moi je veux toutes les pièces, il en reste quoi? Il en reste deux haches à récupérer. Elle est là. Non, je t'ai raté! Je vais la chercher, bouge pas. Voilà, c'est bon. Vas-y, encore une. Ah, on va mourir! Oh, et on va appuyer. Bien sûr qu'on va appuyer sur A, tu crois quoi? Allez, mais mange-toi ça! Tiens! Bouffe ça! Oh là là, mais c'est un. Si on fait le ménage, mais c'est un kiff! Ah mais faut que vous ressentiez ça quoi, c'est un... Oh le bouclier. Ah cool, c'est bien ça. Attends, on a passé des niveaux du coup. Oh peu importe, moi je mets toutes les perks, peu importe. Ah par contre ça m'intéresse plus que le truc. Niveau supplémentaire, très bien, 25% de vitesse. Ah la pièce de méca, vas-y, on peut le prendre de façon infinie quand on veut. C'est cool. Vas-y, tire dans tous les sens, on t'en fout. Encore une pièce de méca, vas-y, la flamme de suite temporelle. Boum boum. Allez vas-y, plus qu'une pièce de méca. Oh le double XP avec la pièce de méca, elle est où? Il n'y a plus qu'un si là. Attends, on a pris le double XP plus la vague temporelle, plus le truc. Vas-y, mais je te défonce. Oui je suis un gamin, je m'en fous, je surkiffe et si je surkiffe, voilà. J'espère que vous aimerez la vidéo autant que moi je suis en train de kiffer le jeu. Alors je suis pas sûr qu'on puisse y jouer des heures durant, mais franchement là, rien que là, sur une séquence de 20-30 minutes, on se prend une claque. Et je pense honnêtement que c'est typiquement ce genre de jeu où tu joues voilà, des petites séquences de 20-30 minutes et tu reviens. C'est pas le genre de jeu où tu passes des heures et des heures, clairement. Enfin, moi j'aimerais récupérer le mecha pour pouvoir défoncer tout ça. Vas-y, mais c'est un kiff. Allez, plus qu'une pièce. Regardez-moi ça, mais regardez-moi le nombre d'ennemis. Ouais, vas-y, boum. Là. On va vous défoncer la tronche tard. Vas-y, défonce-moi ça. Voilà. Et du coup, on va peut-être avoir des petits cristaux là à la fin avec tout ce qu'on a défoncé en termes d'ennemis. Je suppose, hein. Attends, pièce de méca encore. Le Nova. Boum. Boum.
Vas-y, je suis sûr qu'on a au moins un cristal à fin. On va aller voir si on peut acheter des trucs avec des cristaux après. Ça m'intéresse quand même. Oh, y a un mini nuke, Oh oui, vas-y, on les laisse tous apparaître et on va tous les exploser avec le mini nuke. Vas-y. Bon, on a le mecha. Il y a tous les ennemis qui arrivent. Allez, vas-y, vas-y, viens. Bah, vas-y, on active aussi ça en même temps. Oh là 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 là. Niveau complété, les gars. Bah, bien évidemment qu'on a au moins un cristal. Par contre, survival mode, cool. Allez, il y a les game mode. Bah, je vous avais dit qu'il y en avait forcément un. Et j'ai envie de tester j'ai envie de tester ça tout de suite. Attends, on va d'abord aller voir s'il n'y a pas un. Attends. On va d'abord aller voir ici. Est-ce qu'on peut acheter des trucs avec? Il en faut 10 pour débloquer ça. Ok. Alors, par contre, ce qui m'intéresse, c'est le mode sans fin. Attends, play. Le mode sans fin, il est où? Ah, c'est là, regardez, c'est en bas. Attendez, c'est ici, regardez. Ça doit être ça. Survival mode. Vas-y, il y a un leaderboard. Vas-y, est-ce qu'il y a des amis qui l'ont? On va voir. Est-ce qu'il y a des amis dans la liste d'amis qui l'ont ou pas, ce jeu? Il y a personne qui l'a. Eh bah, très bien. 84 000, je suppose que c'est beaucoup. Solo, play, solo. Non, solo. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Cool. Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Non, mais à 4, ça doit être beaucoup plus simple, forcément. Vas-y, moi, je me lance là-dedans. Ah, on commence directement avec le mecha. Par contre, on est déjà en train de perdre plein de vie, donc il va falloir arrêter de galérer, les gars. Attends, hop. Ah, je sais pas, j'ai pris l'environnement, moi aussi. Ah oui, c'est un petit peu embêtant. Alors, le shotgun. Alors, on va récupérer les pièces de mecha au cas où. Et vous savez quoi? On va se laisser à la fin de cette vidéo. La fin de cette vidéo sonnera quand nous arriverons, quand nous mourrons dans ce mode survie. Alors, en espérant que ça arrive pas trop vite, parce que j'aimerais bien faire un sacré score. Mais la fin de cette vidéo, ça sera à la fin de ma survie. Voilà, que ça soit clair entre vous et moi. Et si jamais vous voulez en revoir un peu plus loin dans le jeu, n'hésitez pas, parce que à mon avis, il va y avoir des petits trucs supplémentaires. Après, défonce-les, mais défonce-les! Il y a la pièce de mecha qui est là-bas. Ok, on va les récupérer au cas où. Pour les avoir de côté, pour au cas où il y a une grosse vague d'ennemis. Oh, je les connaissais pas, ces ennemis là. Est-ce que dans le mode survie, pareil, on gagne des petits cristaux si jamais on bat un certain nombre d'ennemis? Ça serait cool que le jeu permette ça. Attends, niveau supplémentaire. 50% de chance de plus que les balles transpercent vos autres gens, carrément. Ok. Allez, il reste une pièce de mecha après pour les avoir. Vas-y, défonce-le lui. Très bien. Il y a des power. Oh, c'est quoi ces gros ennemis là? Ah! Alors, double XP, oui. Est-ce que ça quadruple. Oh, la quadruple XP! Non! Si, ça quadruple l'XP. 25% de chance d'éviter les dégâts, carrément. Attends. Faut pas que j'oublie d'utiliser le téléporteur. Oh, punaise. Vas-y, mais c'est quoi cette. Vas-y, mais comment ils nous tirent dessus? Vas-y, bon, faut que je l'utilise quand même. Je l'utilise là. Par contre, si tu pouvais les défoncer, ça m'arrangerait. Vas-y, mais pourquoi j'arrive pas à les toucher? Vas-y, mais non. 30% de santé en plus. Ouais, carrément. Là, j'avoue que j'en aurais bien besoin, monsieur Tesla. Ok, c'est bon. Le Nova, ça va nous aider un peu. Oh punaise, il y en a de plus en plus, quoi. J'adore ce genre de jeu. Honnêtement, ça me rappelle le jeu. J'avais un jeu sur mobile ou sur PS Vita qui était sorti, ou sur les deux d'ailleurs, qui était sorti à l'époque. C'était avec une espèce de petite alien qui avait justement qui avait plein d'armes et vous pouviez acheter des améliorations. Alors, si vous retrouvez le nom de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'avais surkiffé ce jeu. Il était sorti sur PS Vita, sur mobile et sur plein de trucs. J'avais adoré et ça me rappelle carrément ce genre de jeu, tu vois. Ah, bouclier, très bien. Allez, la pièce de mecha en plus. Je suppose que le mode infini doit changer de map à chaque fois. Attends, la pièce de mecha, elle était là-bas. Mais non. Attendez, on a un niveau de supplémentaire. 20% de puissance de feu, carrément. Enfin, vitesse de l'arme à feu, en tout cas. Vas-y, c'est quoi ce power-up, là? Alors déjà, on récupère la pièce de mecha. Il nous en restera deux à choper, de la vie, carrément. Ok. Allez, vas-y, venez. On n'a pas de score. Ah si, 12 000. Et c'est 84 000 le plus haut. Je suppose honnêtement que c'est beaucoup. Parce que là, moi, je me dis, on a 12 000. On va essayer de battre le premier mondial. Ce qui n'arrivera pas, parce qu'en général, je me fais défoncer tout le temps. Mais on va essayer. C'est bon, on va essayer. Et qui ne tente rien n'arrive. Oh cool, on a la téléportation avec lui aussi. Je savais pas. Oh là 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 là. Allez, revolver, on le tente quand même. Eh, ça fait plein de dégâts aussi, ça.
Attends, est-ce qu'il y a des power-up par là? Il y a le mecha qui est là-bas. Le mecha, ça fait pas tant de dégâts que ça de plus, hein. Vas-y, mais je m'en fous. Bien évidemment que je veux de la vie supplémentaire. On en a carrément besoin. Ok. Oh, finesse, en plein milieu. Alors, le Nova, ça va nous aider aussi. On en a 5. Et pensez à utiliser les power-up. Hein. J'en ai plus. Non, j'ai plus de power-up. Ah! Attends, il y a une arme. Là, il nous la faut. Non. Ça c'est la meilleure arme pour moi du jeu pour l'instant. Je suppose qu'il y en a carrément mieux après, mais je pense que le mode survie doit être beaucoup plus simple une fois que t'as débloqué quasiment toutes les armes. Hein. Parce que là on est en train de galérer notre race avec seulement ça. Vas-y le mecha, vas-y maintenant, mais carrément. Allez, vas-y. Allez. Vas-y. Je sais même pas où on est. C'est bon, ça va faire double XP. Carrément, faut passer un niveau de plus, ça va nous arranger. Vas-y, mais pourquoi ils sont méga forts comme ça dans le mode principal? Ils n'ont pas autant de vie, quoi. Vas-y, j'ai plus rien au niveau des perks. Fire rate, ouais, carrément. Oh punaise, oui, effectivement, ça tire beaucoup plus vite. Hein. Ok, on va essayer d'être précautionneux sur ce qu'on utilise. Oh tcha. On a 24 000, mais jamais on arrive à 84 000, les gars. Mais jamais de la vie. Mais pourquoi ils sont aussi forts? C'est quoi ce coup de ouf? Allez, vas-y, on enchaîne les sauts. Allez, tire! Vas-y, on a 25, mais jamais de la vie, on va y arriver. C'est quoi? C'est pas grave, on va tenter. Allez, oh oui! Vas-y, j'ai l'impression de tourner en rond pendant. Ça va le faire. Ça va le faire. Enfin, pas 84 000, mais en tout cas. Oh punaise! Oh vas-y, le mecha! Vas-y, mais pourquoi ça leur fait quasiment aucun dégât? Mais les gars, mais vous abusez ou quoi? Ah, cool! Ah oui! Oh! Ça fait du bien! Oh, ça nous permet d'être un peu plus large. Vas-y, mais ça leur fait aucun dégât! Mais c'est abusé! Mais c'est abusé, les gars! Regarde ça, je passe 15 ans à en tuer ne serait-ce qu'un seul! Alors, on a 30 000. Eh, on est pas mal quand même, à 30 000, je pense que c'est pas mal. La pièce elle est tombée avec tout au centre. Et franchement, dites-moi si vous prenez le jeu, essayez de battre mon record et ça m'intéresse de savoir combien vous aurez fait. Oui, les dégâts des balles, carrément. Ça m'intéresse de savoir, bah de toute façon, je verrai dans le leaderboard hein, si jamais vous y êtes. En mondial, on est à 31 000. Putain, mais le mec a fait 84 000. Alors, ne pas aller au centre du niveau, parce qu'on a presque plus de vie, mais non, vas-y. Ah, attends! Blade, oui. Ça fait aucun dégât. Mais ça fait aucun dégât, ta Blade. Et les gars, mais non. Ah, cool, le mecha, vas-y. Vas-y, on défonce. On défonce tout. Et ça fait quasiment aucun dégât, lui, non plus. Vas-y, mais c'est une tanasse. Bouclier. Et 36 000, on s'approche. Hein. J'avais dit de pas passer par le centre de la map, hein, mon gars. Oh là, vas-y, mais ils sont de plus en plus rapides en plus. C'est abusé. Et bah 36 960 les amis. Et on a chopé aucun cristal. Aucun cristal. Vas-y, abus quoi. Leaderboard, ouais, bon, à mon avis on est mal placé. Ah, 63ème. 63ème mondial. Ce qui n'est pas si dégueulasse. Bon, c'est pas si mal. Bon, bah écoutez, on va se quitter juste ici. Je pense que vous avez vu à quoi ressemblait clairement le jeu Tesla vs. Tesla. Alors honnêtement, je le recommande. 14,99€ sur Nintendo eShop, pas disponible en version boîte malheureusement. Je vous le recommande chaudement et si vous voulez passer un très bon moment de fun et si vous avez 15€ à dépenser. Donc voilà, c'est ensuite si vous avez kiffé la vidéo, le gros pouce en l'air bien évidemment parce que c'est très important. Le partage de la vidéo bien sûr si t'as kiffé, c'est aussi très important pour la chaîne. T'as également les réseaux sociaux qui sont là si t'es pas encore abonné, Instagram, Facebook, Twitter, parce que toutes les informations transitent par les réseaux sociaux puisqu'il y a beaucoup de problèmes de bugs de notification en ce moment sur YouTube. Et moi je te dis à très très vite, ou pas, ça dépendra encore si tu veux revenir sur la chaîne. Ou pas, et voilà, salut.